Eh bien, bonjour à tous, c'est Caudran et aujourd'hui, nouvel épisode de notre série sur Europa Universalis 4 avec Jace, Tiberian, c'est Xalorian et c'est la galère. Salut les gens. Galéria. Eh bien, bonjour Caudran. Bonjour Caudran. Est-ce que tu rochis, bon, Caudran? On reprend, on y va? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, je vais juste ramener ce mec-là parce que j'ai une alliance à lui demander à ce type-là. Ouais, c'est je me dis le retour de Balancier va être ultime. Ah, c'est foutu. Ce foutu Brunswick qui a amélioré ses relations avec le pape. Putain, cette collation. Désolé, Caudran, franchement. Hein. Mais on pouvait vraiment rien faire, là. C'est bon, ça. Je suis terriblement Donc, déçu. Les amis qui regardaient la série, quand les gens, vous avez une collision sur vous, faut pas vous étendre. C'est pas bien. Non, c'est une mauvaise idée de vous étendre, t'as vu. Bon, une petite paix séparée avec le Palatinat qui a plus rien. Palatinat, tu vas me filer de la monnaie. Tu vas me filer une réparation de guerre ultime. Et puis... Fais gaffe, c'est un électeur quand même. Tu vas redonner une province à Bavière. Et puis tu vas... Accorder l'indépendance de Hunchback. Tiens, c'est bon ça. Ok. Alors attends, si je reprends mes relations à moi. Brandebourg, Nassau. Eh bien. Ensuite, S. Tu vas me filer ta seule et unique province et les Ducats. Oula, le Xalou s'énerve. Wep. Mais Xalo, c'est pas bien, tu sais que tu vas te taper une coalition contre toi. Je penserais pas. Peut-être une coalition unique. Diminuer la main. C'est possible. Voilà. Mais sinon, non. Ouais, ça va, t'as raison. Je m'attendais à pire que ça. Je suis carrément déçu. Merde. Du coup, j'ai plus l'Alsace comme rival. Ouais, et j'ai perdu pas mal de projections de puissance. Je viens juste de fabriquer la revendication pour le coup. The Fox. Ah non, j'ai gagné. Ah, c'est le master qu'il faut. Putain, j'ai plus aucune faveur envers le Palatinat, du coup, ça m'a cramé toutes mes faveurs, cette guerre. Oh là là. Ah non, putain, l'Autriche a deux voix, ça le fait pas du tout, ça, par contre. le Palatinat m'aime plus depuis que je l'ai saboté de l'intérieur, parce que il a peur de moi, maintenant. C'est drôle, ça. Dépensant sans compter. Ça le fait pas par contre. Parce que du coup, là, dans la situation actuelle, c'est. L'empereur reste empereur, quoi. Allez, si on tente une sortie. Il faut lui pourrir sa. Tente une sortie. Ouais, oui, il faudrait que Verden vote pour moi. Et là, l'empereur changerait. Oh là, 82 000 contre 12 000. Je dirais plutôt qu'il faudrait que. Allez, le dernier carré. Que Trèves vote pour moi. En plus, c'est toi qui attaques. D'accord. Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment. C'est. C'est pour l'honneur, là. Sûr qu'il y a des territoires illégales, ça fait vraiment mal pour ça. Mais j'ai pas l'expansion agressive, friction frontière, une petite affaire. Ils veulent si tu veux dans province, mais rien de majeur. Discret, là, pour l'instant. Donc oui, non, tu pourrais possiblement voler le vote de Cologne. Là où c'est risqué pour moi, c'est quand mon monarque va mourir. J'essaie de me le payer. Parce que j'aurai vraiment pas de légitimité, puis ça va chier. J'ai droit à une relation diplomatique supplémentaire pour quelques années. Et on va en profiter, mais à un point, là. Ah, on a 60 ans, galère. Bon, ils proposent pas de paix ou quoi? Là, on est à 94 moins 94. Faudrait peut-être y penser, là. Une petite alliance avec le Danemark, ça peut pas faire de tort. Ah, ça y est. Je sens l'alliance avec la France après, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais... On va le laisser, lui. Oui, c'est un allié fiable. Ouais, je sens le... Très fiable. Alors attendez, on me propose une paix. Bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Filez tout. Putain. Quoi taper alors? En gros, retour à la case départ, quoi. Un peu comme toi. Donc je cède tout. Bienvenue au club. La Suisse. Cède. Gênes reprend ses territoires. Bilan reprend ses territoires. Voilà. Et mon vassal devient indépendant. J'ai pas le choix. Voilà. Putain, regarde. Oula, ça. Mais même t'as pris pire. T'as gardé la Franche-Comté, mais normalement le Watt, c'est. Mais bon, après, c'est comme on disait tout à l'heure, on va attaquer la Suisse et puis on va récupérer tout ça. Déjà, la France est alliée là. Ah yes! Ça, c'est le bon. Palatinat est passé au BAD. Merci, BAD, d'avoir récupéré le vote de l'Autriche. Du coup, c'est de nouveau. Nous, ah, d'accord, merde. Qui sommes. Bon, ben, je vais lui envoyer une insulte alors. Non, je déconne, je t'aime pas. Désastre imminent, tiens. Putain de guerre civile, pourquoi? Ah, expansion agressive. Au moins de 10%. Hi!
C'est seulement 10% maintenant pour la guerre civile. C'est ridicule. Archevêché de Cologne, ouais. Ça va être réglé de toute façon. Ah, mais je dois avoir une légitimité 75 ça et plus pour régler le problème. Ah, c'est ce que j'arrive pas à voir, c'est ce qui se passe. Ouais. Ouais, moi aussi, ma légitimité est un petit peu en train de chuter à cause de mon prestige. Ok, bon, alors je fous rien. Moi, quand je vais mourir, ma légitimité va être à 20. Je fous rien jusqu'au 16e siècle. C'est un peu l'idée, ouais. Ouais, là, c'est ça, là. Putain. Je m'attaquais le Luc, mais bon. Ouais, ce serait une bonne idée de lui casser le Luc. Je peux le virer. Casse-lui le Luc. Ah, ah putain. Alors, je peux être pote avec... J'ai plus de forteresse, forcément. Putain. Perdez un stab, point. C'est complètement gratuit. Va te faire foutre. Comme ça. Je pense que c'est mérité. Bon, vous savez, on va faire une petite politique pacifique. Et on est alliés, ça se voit, Brazwick. Ça, oui, c'est mais je non, mais je t'aime bien, mais c'est juste parce que, tu sais, on regarde les votes et je me dis, tu sais, une petite rivalité, là. Bah, c'est, ouais, c'est normal. Hey, nous avons été choisis. L'empereur nous fait l'immense honneur d'accueillir le Reichstag annuel. Cela va nettement accroître notre prestige au sein de l'Empire. Puisse tous les délégués rester bouche bée lorsqu'ils entreront dans notre magnifique capitale Baden. Je gagne 10 en prestige. Cool. C'est classe. Bon, ça fait pas de moi un électeur, malheureusement, mais... Après, Tib, si jamais tu deviens empereur, je vais te lécher les bottes, hein, pas d'inquiétude. je n'en doute point, mais je vais pas devenir empereur. Enfin, pour l'instant, dans la situation actuelle, je peux pas devenir empereur. Ah. Ouais. Ouais, j'ai de l'avance pour ça. Et ça, c'est chiant. Ah, et j'ai un risque de prise de pouvoir par le clergé. Tiens. Ok. Au niveau des nœuds commerciaux, ah, c'est voilà, quoi, 8 sur 9. C'est... Attends. Lubeck, j'ai pas envie d'augmenter l'autonomie en même temps. Si le territoire illégal pourrait se barrer, là. Ouais, c'est... Ouais, le territoire illégal, c'est un peu la plaie. Putain, alors les Suisses, ils vont le regretter, là, ce qu'ils ont fait. Bah, faut être vraiment plus patient. Écoute, c'est... Dès qu'on a plus le traité, si tu veux, on les attaque, hein. Y a aucun problème pour moi. Hein. Ah oui, non, mais par contre, y a le temps, hein. Y a vraiment le temps. Putain, je pourrais me rallier avec l'Autriche, sérieusement. Qui c'est que je pourrais m'attaquer entre-temps, moi? Le problème, c'est que Ravensbourg, il est allié à la Bavière. Oh, yeah. Le monsieur là-haut, il est allié à Cologne seulement. Le problème, c'est que je peux absolument pas faire une revendication contre lui. Pour ça, il faudrait que je passe à travers le Palatinat et ça, c'est mort. Ou alors, il faudrait faire en sorte que la Bavière tombe. Pour cela, il va falloir que j'utilise mes alliés et pour cela, il faut accumuler des faveurs. Donc bon, du coup, on va juste jouer le jeu diplomatique. Trop petit pays. Chier ces gens. Master. Ah bah là, oui. Ouais, ou alors, du coup, j'utilise mes relations avec la France pour attaquer le Master, tout simplement. Et la Suisse t'a mis en rival, en plus. Ils cherchent vraiment la merde, moi, je dis. Non, mais le pire, c'est que tu sais qu'ils sont avertis par l'Autriche. Et depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, toi, t'es en guerre contre Landsbach. Putain, il a été chaud, Landsbach. C'est toi qui as dû déclarer, j'imagine. Bon, lui, là-bas. Oh la vache, ce qu'on a je pris. On va faire un âge. Oh non. Donc, qui c'est que je pourrais me trouver d'autre comme allié, à part ce Savoyard qui sert à rien, là. Oh, c'était bas, ça, Jayce. 451 jours pour faire une barque, ça pue. Je le charrie, il le sait bien. Oui, je sais. Alors... Si je transfère la puissance commerciale, je ferai plus d'argent, mais peut-être que Verdun va voter pour moi. Je sais pas. Pour le coup... Cologne. Non, touche pas Cologne. Fourbe. J'oserais pas. Si t'oserais. Oui. Ah oui. Ah enfin, ouais. Même moi je me déçois, t'as qu'à voir. Ouais, je sais. Voilà, donc ça c'est sécurisé. Il faut vraiment que je foute sur la gueule à l'Autriche. Pas comment. France, est-ce que un petit 5% d'efficacité. Je pourrais faire un mariage royal avec la France. L'alliance. Pas génial. Et après l'alliance c'est mort. Oh putain. Oh oui. Moins 90 raisons.
putain. C'est... Ah mon dieu, appel aux armes, Verden. Ouais, pareil. Guerre d'agression qu'ils ont provoqué. Verden, contre c'est Poméranie. Quoi, déjà bah, c'est un des électeurs. Ah, c'est merde, là. Contre le Danemark. Danemark. Ça ouais, chie, bah, quoi. Oui, oui. Attends, ouais, il vote ouais, pour okay. moi, ce con, ou pas? Bah, elle voit Brunswick moi, et tout bas. Brunswick, ça va, c'est gros. Pareil, moi j'accepte parce que sinon je me tape moins 5 ans de prestige, j'ai pas envie. Hein. J'accepte aussi, par contre il faut que je rapatrie mes bateaux avant d'avoir des soucis. Puis bon, Verden s'il veut bien m'aimer c'est plus, il votait pour moi par la suite. Et oui, bon point, les bateaux. Shit. Ah, donc le duc est trop mort. Trop tard, putain, non, ma flotte. J'avais mis 5 ans à construire cette flotte depuis. Oh. La légendaire flotte Brunswickiane. Oui, oui, membre de la noblesse. Oh non. Oh putain. Alors, est-ce que je reste dans le Serge? 5 de loyauté, ça va, remarque. J'ai la possibilité de me barrer du Serge. Et la marque va me détester. Tiens, ça a l'air peut-être une bonne idée. Ça a brisé mon alliance. Non, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées de se barrer du Serge. Non, c'est pas la meilleure des idées, non. Parce que au moins là, t'es protégé de l'extérieur, quoi. Ouais, mais maintenant, c'est la France qui me protège. Passe par où, eux? Ouais, ça va chier. T'es allié avec la France? Ça ramène pas tes troupes à stade, toi, par hasard, Hollande? Pourquoi faire? Tu gères, non? Non. Pas contre les 15 000 troupes. Il y a 16 000 troupes qui vont traverser dans un instant. Okay, avec mon général de merde. Osef de l'Empire, j'emmerde l'Autriche. Putain. Plus, quel traître. Ah, mais merde, je me suis planté. Je suis resté. Le con. Attends, est-ce que... Non, mais attends. Quoi. Est-ce que je suis resté? Non, je me suis barré, c'est bon. Je te vois pas dans l'Empire, non, c'est bon, tu es sorti. Mais là, mais tu l'empire, me dois que 11 faveurs. Ah mais on est même plus alliés, Caudran. Ah oui, là c'est terminé quoi. Ouais, 24 000 troupes mais dans ma gueule. Comment on va faire pour attaquer la Suisse? J'en ai plus rien à foutre en même temps. T'en fous, j'en ai plus rien à foutre. Comment? Là ça va chier là. Non mais j'ai pas de général, j'arrive. Il est trop tard. Ah mince. Ouais bon ben pour le coup. Mais c'est malheureux. Ouais, c'est très malheureux. Il y a Verden qui n'existera plus dans pas très longtemps. Mais il est où Verden en fait? Putain, mais j'ai une relation supplémentaire, je sais ah pas. Ah non, mais ce con il vote pour moi donc si, ça va pas le faire ça. Tu as un peu de retard. Mais non, on va y aller. De toute façon, on peut pas être allié pour encore 8 ans. Par contre, j'ai pas la voix se souvient de troupes de l'Autriche. J'ai des troupes défensives là, c'est un peu naze. Ouais, ben ça oui, effectivement. Il y a rien qu'on peut faire contre ça. Je vais passer. Je suis quand même barré après. Mais. Pourquoi la Pologne a les Mamelouks en rival? Brunswick, rejoins-moi en Frise orientale. Va falloir m'expliquer là. Hein. S'il te plaît. On va grouper puis on va leur tomber dans la tronche. Dans 2 mois à peu près. Non, je vais pas faire le con. On va attendre gentiment. Faut attaquer depuis où? Chasse cette merde. Ah, bah, de toute façon, faut attaquer depuis n'importe où. Allez, en avant. Tiens, le 5-5-5. Hein. En avant. Ah, j'ai une. En avant. Oups. Oh non. Mais non. On va à l'avant, peut-être. Ouais, donc, on a assez de troupes pour les attaquer comme ça. 25 000. Bon, les mecs, je suis là, mais je suis pas là. Hein. 8 000. Ça va chier, moi, je pense. Ouais, ça va être juste, ouais. C'est des prairies, par contre. Si t'as assez de déplacement, ça peut passer. Ça prendrait. Go. Ah mais ça va en fait, c'est pas contre vous, je suis con. J'ai pris tellement cher du coup. Ouais, on va prendre cher tous les deux. Non, ça peut pas marcher ça. Merde. Surtout qu'ils ont un meilleur général que nous, puis qu'il y a Verden qui se touche alors que c'est sa promesse à lui. Oui. Ah joli. C'est pas trop tard Verden. Hein. C'est trop tard. Ah non, il va, lui 3000 troupes tout seul, ouais vas-y. Il a fait du caca Verden. Oui, c'est... tu penses. Bon bah je vais perdre un électeur, putain. Il y en a mis partout quoi. Je suis tellement déçu. Ouais, mais. C'est chaud aussi quand on joue dedans l'Empire, c'est les. Si t'aurais déplacé tout un petit quoi. Peu plus tôt aussi. Eh hey, d'ailleurs, mes bâtons sont dans pas, le port. J'avais pas ce qu'il fallait pour. Oh putain de merde. J'avais pas ce qu'il fallait pour. Oh non. Tes bateaux. Ma flotte. Ouais, c'est ballot aussi. Ah non, retournez pas là, gag de. Putain de merde, non. Pourquoi ça retourne à Stan par défaut? Oh. Tu sais, je me trahis. En guerre contre qui là exactement? Qui ça?
Ok, Cologne. Plaît-il. Et Trèves. Plaît-il. Cologne qui est en guerre aussi, tiens. Cologne qui m'aime plus. Pourquoi Cologne qui m'aime plus? Qu'est-ce que je t'ai fait? Territoire illégal, moins 50. D'accord, ouais. Bon, je vais quoi? Ça pose une revendication. Faudrait juste que ma revendication ceci. Bon, mais je vais perdre trop. Bon, trop tard. Yeah. Bon, stade. Verden, tu peux. Tu. Va crever, Verden. Ah. Je t'aimais bien, moi, Danemark. C'est pas juste. Ouais, c'est un peu pénible, hein. Ouais, c'est très pénible. Ouais. Puis ils veulent rien entendre, bien sûr. Putain, ils vont prendre l'objectif de guerre. C'est un peu pénible. Qu'est-ce que c'est dur de jouer dans le Saint-Empire. Mais en même temps, c'est ça qui est trop bien, quoi. Ah putain, on va se faire. Ah non, c'est bon. Ouais. C'est un peu comme ce bonbon. Ni vous, ni ce camp sommes les meneurs de nos camps. Nous ne pouvons donc négocier de paix séparée. Oui, je sais. Mais, d'accord. Mais tu veux bien me laisser partir. Donc, si j'offre, je suggère une offre. 10% de son revenu. 10 ans. 48 du camp. C'est tout. On a plus d'hommes que lui, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, en même temps. Putain. Ah, c'est chiant. Non, je me barre de cette garde fou. Bye bye. Là. Très bien. Ah, j'ai pas vu. C'était votre truc, j'ai pas vu. Diminuons la maintenance au max. Temps de rembourser cette dette. Double dette. Et j'ai eu zéro trop, ils m'ont stack wipe le cul. Ok. Le cul, ils t'ont stack wipe le cul, carrément. Ouais, carrément. Ah. Oh bah moi des repas de guerre et puis 40 et puis 60 balles et puis me foutre la paix. Ouais, t'as encore tes troupes toi, c'est ça qui est bien. Oui. Tiens. J'ai envoyé mon conseiller. Payez-vous maintenant. Bon ben maintenant je dois pas sortir 10 millions d'années. Nous ne pouvons bénéficier de ces effets. Contact à l'étranger, échec de la mission. Je ne peux pas faire voter Verden parce que Verden n'existe plus. Oui. Non, Autriche, tu veux pas m'élire comme électeur, tu sais? Yes. C'est très bien, ça. C'est qui, l'électeur? Je sais pas, il y a... Mayence? Pour l'instant, il n'y a pas de nouveau. Putain, ah, c'est Mayence. Ah! Ah, emmerdement. On n'a plus qu'une voix, quoi. Putain, on s'est fait défoncer, quoi. Ouais. C'est malheureux. Ouais. Moi, j'ai complètement perdu les miennes de voix, aussi. C'est Danemark qui a eu la province, d'ailleurs. Ouais. Wow. Ouais, bah ça c'est une bonne nouvelle en fait. Non, c'est le Munster. Danemark me déteste. Ah, par contre, le Danemark. Me voulait au complet. Mais. On a perdu un électeur, c'est ça? Ouais, mais il a nommé Mayence à la place. Ah putain. Ouais, c'est relou. Il m'aime pas Mayence. Non. Ouais, bah il aime personne de toute façon de base. Hein. Il est avec l'Autrichien. Putain, l'Autrichien qui a tellement de voix. C'est normal, c'est l'Autrichien. Chie. Il est là le challenge aussi dans la série, hein. Ouais, mais on est trop petit et puis lui il est trop gros pour l'instant. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Au lieu de se tirer la bourre avec Zalo, l'agitation dans le pays, plus 2. Allez, je l'accepte. Non ? Pour 5 ans. Bah oui, hein, là on est au point où de toute façon aucun des deux on peut faire quoi que ce soit donc. Pour devenir empereur, je veux dire. Non, pas pour l'instant en tout cas, ça c'est clair. Il y a une Cologne qui. Ah, Cologne c'est le seul qui vote. Non, il vote pour toi, Cologne ! Hé hey ! Ouais, j'ai Cologne qui vote pour moi, mais ça me fait pas. Enfin, ça me fait une belle jambe si tu veux. Une grosse jambe. Ouais. Ah, second groupe de doctrine. Mais Bohème est fat. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on va prendre comme doctrine? Une seule province. Alors là. Ah merde. Les aristocratiques à la rigueur, c'est cool. Putain. On est en train de perdre tous les cobijans de la guerre. Si c'est un 7, ah, mais non, je pense, 7, je vais me taper une rébellion pendant que j'ai aucune troupe, 13, moi là. 13 plus moins, ouais. Putain, on est de la même force. Ah, quoique. Ouais, on est de la même force. Ils ont un 3-1 et un 2-1 contre nos 2-1, 2-1, 1-2. Bon. Merde, mon général est mort. Bon timing, monsieur le général, de mourir maintenant. Alors, ça, je vais attendre, je vais prendre la tech. Que je fais avec ça. Ou alors je commence l'exploration, ça peut être cool aussi. 50%.
Allez, je peux le faire. Mais t'as bon, pas envie par hasard enfin, un général approximativement potable. De venir sur mes troupes, de venir sur mon pays et massacrer mes rebelles à S. T'as pas envie de faire ça par hasard? Bon, bah, les enfants, c'est l'heure. Hein. Non, on va pas pouvoir, je suis désolé. Non. Bon, bah, du coup, on va se quitter ici. C'était moi qui clôturais, c'est ça? Ouais, exact. Parfait. Ouais. Bon, bah, on va se quitter ici. De mon côté, bah, moi, je vais me relever. Là, je suis en train de préparer un plan machiavélique. Et bah, j'espère en tout cas. Ouais, c'est ça. Ah, oui, ça va être très, très macabre, oui. On va passer Bad, tu vas voir, ça va être classe. Ça vend. Bon, enfin, je sais pas si c'est un vassal très intéressant. Non, mais tu sais. Il parle trop. Ouais, il dit que des conneries. Bon, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et salut à tous. Bye bye. Bye bye. Salut à tous.